Ouais, t'es encore là, toi? Oui, Allez, je fous le suis camp. Voilà, nouveau jingle. T'as vu, il y a un petit logo aussi. On a fait un petit logo Alliance Quantique. Et on reçoit tout de suite, évidemment, Monsieur Christophe Charest. Bonjour, mon Toto. Bonsoir, mon Toto. Bonsoir tout le monde. Ah, je suis un peu en recul. Bon, écoute, c'est pas grave, on va pas changer les... Bon, est-ce qu'on m'entend déjà? On t'entend avec les oreilles, c'est parfait. Alors attends, Bon, je regarde si je dois monter le son, je sais pas, mais ça va normalement, bouger. c'était. Normalement, Ouais, je suis alors plus attends, je près. vais monter un Bon, petit peu c'est pour pas être sûr. grave. Voilà, on va le monter à 140. C'est Allez, bon? normalement. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci, vas-y. Comment Voilà. tu vas? Ben, ça va. Très, très beau jingle. Je sais même pas que. Je te fais quelques petits trucs comme ça, des petites Non, mais en surprises. plus, j'ai vu de l'intrication quantique, j'ai vu le corps lumineux, enfin, ça a gazé, hein, bravo. Oui, et puis on a fait un petit logo, je te l'enverrai, tu verras, c'est sympa. Voilà, mais on met Magnifique. des équipes qui bossent tous les jours, voilà, ils ont des petites Ouais. idées, ils m'envoient, ils me disent, tiens, c'est allez, c'est bien, on met. Bon, tu vas bien? Ça va bien, merci, ça va, ça va. Ça On va? va parler aujourd'hui de la médecine quantique, qui est l'avenir de la médecine à n'en Marqué pas en douter. dessous, la Hein? médecine Ouais. quantique et la médecine de demain. La Alors, médecine de demain. je vais te laisser la Ouais. place, je reste en off, évidemment, si tu as besoin de quoi que ce soit. Juste avant d'attaquer, deux petites choses. Oui, comme Antoine, je vais être de plus en plus actif sur Twitter, enfin X hein, maintenant, parce qu'en en Oui, je effet, sais. c'est là qu'on prend le pouls immédiatement des événements. Donc, si, comme mon Facebook, on me l'a piraté, enfin, ça devient compliqué pour moi de communiquer sur certains réseaux sociaux. Donc là, on me laisse tranquille. Donc ceux qui veulent me Ah, rejoindre sur tu as mon tout à fait X. raison, mon Totof. Moi, sur X, j'ai pas de problème. J'ai Ouais. pas d'emmerde. Donc, si vous voulez rejoindre Totof et être sûr d'avoir ces informations, donc il faut être actif aussi, hein, il faut publier des trucs. Je ferai Mais une fois par voilà. jour. Je vais Voilà. essayer. Donc, vous faites arrobase charret, charet-christo1, charret Christo 1, Avec des vous tapez ça. majuscules. Voilà, Ouais. il y a en Voilà. Bon. majuscule, avec les deux C en majuscule. Vous tapez ça, je vous laisse un instant quand même pour que vous puissiez le prendre en note ou en photo ou en capture d'écran pour que vous puissiez trouver Totof. Allez-y, je pense que ça va être intéressant de suivre Totof. Moi, je le suis un peu sur VK et sur Facebook. C'est toujours pertinent ce que nous met notre Totof. Voilà. Donc, n'hésitez pas sur Charret Christo 1 avec les deux C en majuscule. Vous chopez Christophe sur Ouais, Totter. parce que je ne suis pas Voilà. censuré là-bas. Voilà, Voilà. on profite. Et dernière chose, on va abandonner le projet AH Production. Le site n'est pas stable. Le site est attaqué en permanence. On ne sera pas en mesure de vous fournir un service de qualité. Ça demande à des remises à niveau à chaque fois. Bon, voilà. Donc, Bah, il y a beaucoup d'attaques aussi, hein. y a beaucoup d'attaques. Donc, on ne peut pas mener tous les fronts. Donc, les personnes qui ont souscrit, il n'y a pas non plus des milliers de personnes, donc ça va, qui ont souscrit l'abonnement à 17 euros, ils ont juste à m'envoyer un mail. Soit ils sont remboursés de leurs 17 euros, soit ils me donnent l'instruction de les mettre sur les paniers du cœur. Mais c'est vous qui devez me dire ce que l'on fait. Et donc, ceux qui vont être remboursés le demandent par mail à Christophe Charret, AH2020. Je l'ai quelque part. Ouais, c'est J'ai ça. tellement de trucs, moi aussi. Ouais, mais je sais pas comment tu fais d'ailleurs. Voilà, Voilà, c'est ça. Christophe Ouais. H2020@gmail.com. On peut pas tenir, on a trop d'attaques et bon, voilà, ils veulent pas que bah, ce label indépendant, complotiste, moi j'appelle ça, ah, on est des agendistes. On a agendistes, mais c'est ça le mot, en fait, on dénonce un agenda. Donc, ils ont tout écrit, on a juste à dénoncer, ils n'aiment pas ça. Voilà. Écoutez, on va attaquer dans le dur, on va attaquer dans l'éthérique, on va attaquer dans le domaine qui paraît presque merveilleux. Et vous savez que le quantique, c'est ça. Il n'y a pas de choses. Il y a des choses surnaturelles, mais la plupart des choses surnaturelles sont juste des choses que la science n'a pas pu expliquer. Et le surnaturel, c'est du naturel qui n'a pas été expliqué. Donc, rejeté par la science la plupart du temps. Et le quantum, le quantique, nous explique énormément de choses sur nous-mêmes et nous donne à imaginer qu'un monde de demain, appuyé sur ces techniques, appuyé sur cette expérience quantique, peut nous amener à énormément de choses bénéfiques, y compris pour la santé. Alors, ce que je vais vous expliquer là, c'est ce que c'est que la médecine quantique, qui est aussi la médecine vibratoire. Pour cela, je me suis appuyé sur un livre, qui est le livre de Patrick Drouhot, qui est la révélation de la médecine vibratoire. Patrick Drouhot, c'est un physicien et qui a fait le tour du monde
pour récolter, si vous voulez, tout ce qui était expérience chamanique, avoir des récits. Il a vécu chez les Amérindiens, il a été au Brésil, il a été un peu partout, et ça lui a permis de connecter ses connaissances en physique quantique et les guérisons qui s'opéraient dans ces tribus, que l'on tend à faire disparaître, parce que ces savoirs-là doivent disparaître pour je dirais, Big Pharma, etc., etc. Il y a trois types de médecine qui sont sur le marché actuellement. Il y a la médecine moderne, qu'on appelle moderne, qui est après les années des Lumières, qui a permis de faire quand même un bon qualitatif, puisque on a pu disséquer les corps. Hein. Vous savez que les peintres disséquaient les corps comme De Vinci, mais le faisaient de manière complètement clandestine et risquaient très très cher pour cela. Donc pour le coup, la dissection et le siècle des Lumières en France a permis cette ouverture à une nouvelle médecine et la médecine aussi synthétique. Et il a fallu attendre les années 60 pour avoir une médecine qui prenait en compte le mental du patient. Alors, avant, on cachait que les gens avaient un cancer, etc., etc. Et on s'est dit que peut-être que pour mieux combattre la maladie, les gens avaient besoin de savoir de quoi il souffrait. Donc, on a introduit cette notion de mettre le malade le plus au courant possible et de lui expliquer ses traitements. Tous les médecins ne le font pas super bien, mais en tout cas, c'était une volonté. Le malade allait guérir avec nous par son mental. Et là, on n'a que le mental, puisque la médecine ne parle que du mental. Après, dans les années 80, donc ça, c'est l'avènement des théories quantiques. 85, vraiment, l'intrication quantique dont j'ai parlé, mais pas reparlé, mais bon, ça, c'est vraiment la preuve qu'il y a des choses qui dépassent la vitesse de la lumière. On a des théories qui sont arrivées, comme quoi, si vous voulez, tout était vibratoire, hein, dans l'univers, donc, et que on pouvait jouer sur ce vibratoire d'une manière ou d'une autre, que vous-même, donc, vous pouviez déterminer que ce jeu était un jeu qui était à votre portée, et ça, on va voir pourquoi il est à votre portée, et qu'éventuellement, si vous croyez que tout est vibratoire, que nous sommes un corps de lumière informé, vous pouvez demander à des personnes de vous aider. Donc, il n'y a pas actuellement de médecin quantique, comme on dit. Il y a des médecines qui se rapportent au quantique et dont je ferai la liste en fin d'émission. Pour accepter cette notion de médecine quantique ou vibratoire, il faut accepter la théorie de la glande pinéale. Bon, alors c'est plus qu'une théorie, puisque la glande pinéale, elle est déjà dans l'œil d'Horus chez les Égyptiens, comme vous savez, qui sont toujours un grand mystère. Il y a cet œil d'Horus qui est là. Ils l'appelaient, eux, le pignon de pain, parce qu'en termes de forme et de grandeur, oui, c'est tout petit, c'est comme un pignon de pain. Cette glande pinéale, vous pouvez l'activer. On va voir comment on fait. Mais au départ, on a cette croyance qui n'est pas venue comme ça, de manière saugrenue. Hein. Des gens qui construisent des pyramides savent éventuellement comment le corps fonctionne, et surtout comment l'âme peut être reliée. Donc cette glande pinéale, on l'appelle le troisième œil. Et Descartes, beaucoup plus tard, l'a décrit comme le siège de l'âme. Donc, pourquoi on l'appelle le troisième œil? Parce que, en termes de cartographie, si on l'analyse, c'est comme un œil qui n'a pas fini son évolution. Il y a énormément de choses qui ressemblent à un œil, mais qui n'auraient pas fini son évolution. Et à Sao Paulo, à l'université de neurosciences de Sao Paulo, ils ont, eux, été beaucoup plus loin dans la cartographie, pardon, et ils l'ont caractérisé comme un minéral. Donc, nous aurions une petite pierre dans la tête, mais un minéral vascularisé. Donc, un minéral vascularisé. Donc, c'est quelque chose de complètement unique. On sait que le corps peut créer des petites pierres par les calculs rénaux, les choses comme ça, mais cette glande qui, entre autres choses, quand même régule les rythmes biologiques comme la production de mélatonine, vous voyez, des choses comme ça, a une fonction qu'on ne peut pas expliquer et qui semblerait reliée à l'âme et pour moi à la lumière. Et on a un exemple dans la nature, il y a plein d'exemples. Parce que les animaux, pour le coup, eux, ils ont leur glande pinéale qui fonctionne très, très, très bien. Je crois que ça leur permet d'interagir entre eux. Et vous avez les rapaces, on va prendre un aigle, par exemple. Un aigle qui va vouloir attraper un oiseau qui est
1000 mètres plus bas, et qui va partir en piqué. Alors, vous pouvez mettre le meilleur ordinateur du monde là-dessus, il n'arrivera pas à trouver le point de jonction. L'aigle, lui, il a une pinéale qui est juste au-dessus de son bec, voyez, qui est à fleur ici. Et il est informé. Il est informé des lois de la nature, de la situation dans laquelle il est, par la lumière. Donc la lumière véhicule des informations. On a la preuve de ce phénomène dans la fibre optique. La fibre optique, c'est des fibres de verre qui sont donc illuminées, hein, d'une lumière qui va véhiculer l'information. Donc nous avons cet aigle qui est donc qui doit faire un piqué. Alors si on lui dit, si on vous dit de viser, même si vous étiez un aigle, quelque chose à 1000 mètres parce qu'il a une vue d'aigle, il va y arriver. Ça, pour lui, c'est pas difficile. Mais le problème, c'est qu'il doit appréhender la course, le vol de l'autre oiseau. Ça, c'est impossible parce que même un ordinateur, il va calculer donc le piqué, mais il pourra jamais calculer les oscillations de vol. Il ne pourra jamais calculer les courants ascendants, descendants. Et l'aigle, lui, il va arriver une fois sur trois à choper sa proie. Et quand il la chope pas, il est dessus, mais c'est, si vous voulez, la réaction de l'oiseau, de la proie, qui va faire que il va l'éviter parce qu'un oiseau, ça va vachement bien. Donc, c'est pour vous dire que cette glande pinéale bien développée, elle a cette capacité dans le règne animal de permettre à un aigle, et c'est une prouesse absolue, de en piquer à 200 km/h, d'aller choper quelque chose qui arrive à 80 km/h ou 100 km/h de l'autre sens. C'est juste inimaginable. On ne pourrait pas inventer un ordinateur qui est capable de faire ce calcul. Donc, ce caillou, il est, chez nous, le pauvre, il est calcifié. Il est calcifié, ceux qui l'ont le moins calcifié sont ceux qui sont le plus clairvoyants. Voilà, c'est une capacité qu'ils ont. Mais on peut travailler dessus, on peut décalcifier sa pinéale par un exercice quotidien, et qui ne vaut pas pour la pinéale en termes de bien-être, c'est la cohérence cardiaque. J'étais chez un cardiologue récemment, on en parlait. Alors, la cohérence cardiaque, c'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire qu'on prend son téléphone, on marque cohérence cardiaque, et on va trouver plein d'applications. Et vous voyez, c'est ça, la cohérence cardiaque, c'est tout. C'est-à-dire que vous avez cette petite bulle à faire 5 minutes par jour, le mieux, c'est de le faire 2 fois par jour, qui vous dit d'inspirer et d'expirer. Inspirer, expirer. Vous pouvez le faire aussi de manière sonore, ça s'appelle la sono-cohérence, je crois, de tête. Une fois que vous suivez ce schéma-là, si vous le faites avec la musique, c'est encore mieux, vous allez aligner votre cœur avec le moins d'entropie possible, c'est-à-dire le moins de désordre possible. Ce cœur va émettre des ondes. Les ondes du cœur sont 5000 fois supérieures à celles du cerveau, 5000 fois plus puissantes. Il y a des neurones dans le cœur, et c'est bien le siège de l'âme. Ce cœur, il va émettre des ondes jusqu'à 2,50 m au-dessus de vous. Donc, il atteint la pinéale. Par ce simple exercice, vous allez décalcifier votre pinéale. Hein. Donc, et en plus, ça repose énormément, donc c'est très, très salutaire de faire de la cohérence cardiaque. Hein. Voilà. Quand vous êtes branché à une machine qui calcule votre cœur avant et après, enfin à la fin de l'exercice et au début de l'exercice, c'est complètement régulé et donc ça à la portée de tout le monde, c'est des applications qui sont gratuites. Voilà. Donc, une fois que la pinéale elle est OK et qu'on est prêt à recevoir les informations lumineuses, il faut imaginer que nous sommes des êtres hybrides. Nous avons ce corps qui est une vibration ou une fréquence densifiée, voilà, et le corps lumineux, le corps éthérique. Beaucoup d'entre nous se retrouvent dans des situations où ils vont rencontrer une personne, ils vont sur un lieu et ça leur dit quelque chose, ou il y a quelque chose qui c'est pas possible, je suis déjà venu, etc. etc. Ça, c'est votre corps lumineux. Beaucoup vont aussi voir leur vie passée, pour peu qu'ils tombent sur quelqu'un de pertinent, ils vont pouvoir aller remonter comme ça. Le sujet, il est que moi, quand on me parle des vies antérieures, on me parle donc de ce passé d'incarnation,
On me parle souvent des. Ben voilà, j'ai été brûlé vif, j'étais une sorcière, que des mauvaises nouvelles, que des mauvais tripes. Et en réalité, le corps lumineux qui nous accompagne est notre mémoire, est notre disque dur de toutes nos incarnations. Donc, il est ultra informé et on peut aller le questionner quand la pinéale est bien décalcifiée. On peut aller le questionner et on peut aussi le reprogrammer. Comment on le reprogramme? On lui importe des souvenirs d'un futur qui n'existe pas encore. Donc, alors, comment ça se passe? Il y a des professionnels qui peuvent vous aider à ça, mais de vous-même déjà. Contrairement à ce que l'on pense, le futur, il n'est pas forcément devant, il est plutôt derrière. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. Quand on prend des décisions, souvent, on le fait avec les jalons du passé, c'est-à-dire avec ce qui est visible. On a un passé, on prend des décisions, on analyse, et ce qui nous sert à l'analyse, c'est beaucoup de nos expériences. Et donc, elles sont bien devant nous. Elles ne sont pas derrière, elles sont devant nous, puisque si elles nous aident à prendre une décision pour le futur, c'est qu'elles sont devant, elles ne sont pas derrière. Et donc, le truc, c'est d'importer de derrière quelque chose d'inconnu, qui va être quelque chose qui va intégrer votre corps lumineux. Ça peut être une guérison, par exemple. Mais ça peut être aussi j'étais sur une radio l'autre jour, j'ai donné l'exemple d'un salon de thé, donc un rêve accessible à beaucoup. J'ai envie de changer de vie et je veux un salon de thé. Je ne sais pas où encore, mais je veux un salon de thé. Je ne sais pas comment je vais l'acheter, mais je veux un salon de thé. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire pour importer ce futur devant vous et l'inscrire dans votre être lumineux, le projet arrivera quand il arrivera, mais il arrivera. Parce qu'il est à votre portée. Eh bien, vous allez vous imaginer dans ce salon de thé, pas avec les contingences matérielles basiques, mais avec tout ce qui est des odeurs, du rituel, des bruits, des clients habitués, non habitués, voilà, vous voyez, de ces odeurs de pain, de ces odeurs de brioche. C'est ça. Endormez-vous avec cette pensée. Ça vaut pour un salon de thé, mais ça vaut pour plein de choses. Et vous la visualisez. Ne changez pas de décor de salon de thé tous les jours. Gardez un rituel et être focus sur quelque chose. Oubliez le problème d'argent. Oubliez tous les problèmes. Ce salon de thé, vous allez le visualiser. Et la guérison, pareil, vous pouvez la visualiser. Et ce qui se passe, c'est que vous l'intégrez dans votre corps éthérique. Ce corps éthérique, il est comme les fibres optiques en réalité. Il communique en permanence avec vous, sauf que les méchants sont venus interférer dedans. Et lui impulse des informations qui vous rendent malheureux et vous rendent captif d'un autre vous, quelque part, qui n'est pas vous, qui n'est pas vous. Ce qui se passe dans l'infiniment petit, dans le quantique, se passe à l'échelle de l'univers. L'univers est magnifique, et il est très élégant et il est parfait. Et en fait, il y a une intelligence qui fait que ce que l'on ne voit pas, ce sont comme un réseau de neurones, de filaments qui relient tous les points de l'univers, comme des fibres optiques invisibles avec lesquelles les ETs communiquent. Et les Russes, qui ont beaucoup d'avance là-dessus, en 1974, ils ont voulu savoir si un événement dans l'univers qu'ils pouvaient déterminer aurait un impact sur notre Terre. Un événement qui serait lointain. Et donc, ils savaient qu'en 1974, un astéroïde allait percuter Jupiter. Bon, c'était un astéroïde d'un kilomètre, c'est balèze, et Jupiter est une très très grosse planète. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, au moment de l'impact, et dans les journées qui ont suivi, ils ont mesuré ce qui se passait sur Terre. Et là, ça a été une révélation vraiment stupéfiante. C'est-à-dire qu'ils ont eu un tas d'indices qui ont été inversés. Les boussoles se sont mises à vibrer. Enfin, voyez, il y a. C'est pour ça que les ETs savent quand on utilise l'arme atomique, hein, et qu'ils en ont désamorcé quelques-uns, un missile, hein, vous savez. Eh bien, en fait, ils sont au courant par ce formidable réseau, cette autoroute d'information qui est portée par la lumière et qui est portée par les vibrations. L'univers n'est pas vide. Il est rempli de vibrations et de fréquences. Et si je vous dis que les fréquences et les vibrations sont loin d'être du vide,
spatiale, c'est qu'en réalité, le début des problèmes quantiques, c'était quand même, en principe, le principe de les défendre de Young. C'est-à-dire que vous aviez une onde qui partait, une onde de lumière, qui partait entre deux fentes, et qui, parce qu'elle avait un choix à faire, devenait de la matière, se densifiait d'une manière parfaite, équilibrée entre les deux fentes, ça partait à gauche, à droite, ça s'équilibrait, ou qui se densifiait parce qu'elle était observée par l'humain. Donc là, c'est bienvenue chez les fous, on ne peut pas expliquer ça, mais la conscience humaine agit sur la matière. Donc ça, c'est le grand secret. Hein, c'est le grand secret. Si la conscience humaine agit sur la matière, c'est qu'elle agit sur ce qui crée la matière. Et ce qui crée la matière, ce sont les fréquences et les vibrations. Le karma, c'est une incarnation parce qu'à un moment donné, vous avez une fenêtre propice pour les ondes et les fréquences de créer la matière. Hein, voilà. Mais ça marche avec la conscience humaine. Donc nous sommes quoi? Nous sommes des récepteurs TV, en fait, et nous ingurgitons des lumières qui nous informent. Ces lumières, il faut qu'elles soient au maximum notre lumière. On a coutume de, il y a un adage qui dit qu'on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. À 80%, on ressemble aux 5 personnes avec lesquelles on interagit le plus. Eh bien, il faut en créer une sixième. Cette sixième, c'est cet être candide, enfantin, qui croit à ce qu'on appelle le surnaturel ou au miracle selon la science, je dirais, traditionnelle. Il faut y croire parce que ce ne sont pas des miracles. C'est ni plus ni moins l'essence même de notre nature divine. Il y a là-haut, qu'on l'appelle ce qu'on veut, on n'en est pas là. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse l'appeler. Je ne pense pas qu'on puisse le nommer. Il y a une intelligence mathématique, hein, les mathématiques, c'est vraiment prouvé, qui est parfaite et qui est d'une élégance, qui est d'une élégance absolue. Elle nous permet de vivre déjà dans des conditions, quand on voit l'univers, ça paraît toujours effrayant. Donc vous devez, pour accepter ces choses-là, vous mettre dans cette élégance, dans cette beauté, aller sur le chemin de toutes les beautés. Donc on va vers ce chemin par l'amour, on n'y va pas par la haine, on n'y va pas par les mauvais sentiments, la médisance, la jalousie. Alors vous allez me dire, il y en a qui réussissent avec ses poncifs. Mais oui, ils réussissent, bien sûr, parce que quand on convoque l'être astral, l'autre nous, il nous répond, et que ce soit pour faire du bien ou du mal. Mais si vous voulez, tout a une vibration. Et le chaman, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va mettre en résonance la vibration d'une plante avec la vibration d'une maladie. Et la réponse de la plante, elle est multiple. Ça vous paraît peut-être étonnant, mais les médicaments aussi ont des vibrations, ont des fréquences. On peut avoir une fréquence d'un médicament avec une machine. Cependant, c'est une fréquence limitée qui va avoir une action sur l'être densifié, donc la matière, mais aucunement sur l'être lumineux, sur votre âme, jamais. Donc, c'est bien pour ça que ces maladies, souvent, les gens qui font un cancer, ça revient, parce que l'être de lumière n'est pas réparé. La médecine quantique vise à réparer l'être de lumière. Alors, vous avez pour cela plusieurs approches. Mais il n'y a pas de, comme je vous l'ai dit, de médecin quantique. Les médecins qui se rapprochent le plus en termes de pratique de ces vérités, c'est les médecins tibétains. Le souci, c'est que les médecins tibétains, il y en a 10 en France, 10, 12. Bon, en cherchant bien, vous les trouvez. En plus, ils sont assez bien répartis sur le territoire. Donc, c'est la médecine tibétaine qui répond le mieux à ces règles-là. Après, vous avez la médecine ayurvédique, ça on en trouve plus, et vous avez aussi la médecine chinoise, qui actuellement est décriée d'ailleurs. Une médecine efficace, prophylactique, qui a permis au peuple chinois de vivre en moyenne 80 ans, 50 ans avant notre ère à nous moderne, où on vit 80 et quelques années. Voilà, vous voyez, c'est une médecine prophylactique. Pourquoi? Parce que
le médecin chinois, par de longues palpations, va mesurer la réaction de votre corps dense et la réaction de votre corps lumineux. Vous voyez ? Donc, il intègre, c'est pour ça que c'est, voilà. La médecine moderne, des médecins ne palpent plus et vous font un diagnostic avec un ordinateur. Hein, c'est, on le voit maintenant, ils vont regarder à moitié et ils sont sur l'ordi et le truc leur dit, voilà. Donc, oui, c'est depuis 1913 que les Rockefeller ont voulu bousiller le processus que nous avons de pouvoir gérer à minima notre santé. Et donc là, on est au sommet, hein, puisque on ne touche même plus le malade. Donc on est à quelque chose d'absolument incroyable. Donc, la médecine quantique existe et elle est utilisée vibratoire par les hôpitaux. Je vous dis dans un cas très précis et qui ne peuvent pas expliquer naturellement, c'est des coupeurs de feu. Quand vous avez quelqu'un qui est gravement brûlé, chaque minute compte puisque la combustion continue sur le derme et l'épiderme et si vous voulez jusqu'aux chairs, hein, pour les brûlés du niveau 3. Et donc, ils font régulièrement appel à des coupeurs de feu, hein, on a tous rencontrés dans les campagnes, et le gars avec une date de naissance, un nom, à distance, il vous arrête la brûlure. Ça, ils le savent, ils le savent très très bien. Ils ne peuvent pas l'expliquer, c'est surnaturel. Ils disent, ça nous aide. Bon, voilà, vous savez, ça c'est la médecine quantique. Ça, c'est quelqu'un qui se sert du champ informationnel de la lumière, ça va très vite, hein, 3600 km/s, et la lumière va amener l'information au patient. Donc c'est absolument fabuleux. C'est absolument fabuleux que les fentes de Jung puissent prouver, si vous voulez, que la matière est avant tout, avant une onde, est ondulatoire, et que la matière support à cette preuve soit la lumière. Cette même lumière dont on dit qu'elle nous informe et qu'elle est l'espoir. Donc la matière s'est révélée quantique par des photons. Donc, une matière qui est plus qu'une matière, voilà, qui avec l'eau, un miracle. Voilà. Alors, vous avez, je vais vous passer une petite vidéo de 3 minutes où le gars, en 3 minutes, vous condense, vous résume un peu ce que j'ai dit. Et puis, ma foi, après ça, on aura déjà pas mal avancé. Et puis, peut-être deux, trois trucs après. Mais Antoine, si tu es là, passe-nous la petite vidéo. Et vous allez voir ça. Boum ! Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, constitue une part omniprésente de notre environnement. Du rythme de la musique que nous écoutons quotidiennement aux sons subtils de la nature et même aux fréquences inaudibles qui nous traversent, toutes ces vibrations ont un impact significatif sur le monde qui nous entoure, y compris la structure épigénétique de notre ADN. Cela signifie non seulement la musique et les sons environnants, mais aussi les mots prononcés et les pensées que nous entretenons, car ils émettent tous des vibrations et des fréquences qui façonnent constamment notre réalité. En effet, les pensées, considérées comme des formes de matière et d'ondes dans l'infiniment petit, influencent également la matière et notre environnement. Cela illustre un principe universel. Tout est en mouvement et en vibration. Cette vérité est reflétée dans diverses traditions philosophiques et scientifiques, notamment par la célèbre citation hermétique tiré des écrits de l'alchimiste grec Hermès Trismégiste, affirmant que « tout vibre, tout remue, tout bouge ». Mais cette affirmation est présente à travers bien d'autres écrits, notamment dans le Tao Te Ching, un texte philosophique chinois, affirmant que le Tao est vide, mais il est toujours plein, il est faible, mais il est toujours fort, il est lent, mais il est toujours rapide, il est proche, mais il est toujours loin. On le retrouve aussi dans le Bhagavad Gita, un texte hindou affirmant que le monde est en mouvement et en changement constant. Tout est impermanent. La seule chose qui est permanente, c'est le changement. Ensuite, on le retrouve dans la tradition grecque, avec Platon qui disait que le monde est un flux constant. Rien ne reste jamais le même. Tout est en mouvement et en changement. Par la suite, cela a été approuvé par Albert Einstein, ayant découvert que tout dans l'univers est constitué d'énergie, et que l'énergie, à son tour, est une forme de vibration. Aujourd'hui, même la science moderne explique que tout dans l'univers est constitué d'énergie, et que l'énergie, à son tour, est une forme de vibration.
Cela signifie que tout dans l'univers vibre à une fréquence donnée. Ces principes suggèrent que chaque fréquence, qu'elle soit sonore ou pensée, est un outil puissant de création. Des musiques comme celle de Mozart peuvent améliorer notre concentration, tandis que d'autres fréquences peuvent stimuler la créativité et le bien-être. En alignant nos pensées de manière positive, nous contribuons à créer une réalité meilleure. De plus, les personnes avec qui nous interagissons peuvent influencer notre fréquence vibratoire. Comme le dit le dicton, nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. La loi de la vibration révèle donc une connexion profonde et intime entre nos fréquences internes et l'univers qui nous entoure. En comprenant et en maîtrisant ces fréquences, nous avons le pouvoir non seulement de transformer notre propre vie, mais aussi d'impacter le monde qui nous entoure de manière positive et constructive. Voilà, bah, je pense qu'avec ça, on est pas mal. Je vais prendre une ou deux questions, mais c'est vrai qu'il se fait tard, donc je ne sais pas, peut-être qu'il y a une ou deux questions. Antoine, est-ce que tu es revenu? Ouais, je ne sais pas combien de temps, moi je fais 40-45 minutes en général. Ouais, bah, c'est ce que tu as fait à peu près. Bon, voilà. Il y a pas mal sur la respiration, la cohérence cardiaque, ça interpelle un peu les gens, et ça les intéresse. Est-ce que tu peux répéter le nom de l'application pour la cohérence cardiaque? Ah non, mais je vais faire la promo d'aucune application. C'est, vous marquez cohérence cardiaque, vous en avez plein. Mais je peux citer la mienne, hein, moi je m'en fous. Hein. J'arrive pas à lire, voilà, bien fait. Mais, t'es au top. Voilà, donc, l'amélioration, vous savez, il y a des maladies, il y a aussi des maladies karmiques, ça c'est autre chose. C'est des choses qui vont se répéter, c'est des nœuds. Et celle-ci, quand on comprend. Quand on comprend sa mission sur Terre, Dieu sait, si je peux l'entendre, j'ai pas une vie facile, mais oui, t'as pas une vie facile et c'est normal. Hein. Donc, tu es une vieille âme, tu es une âme qui en a beaucoup vécu, et là-haut, quand tu as décidé de venir ici, à cet instant, il est impossible que tu aies choisi la facilité, parce que tu veux t'élever, et on ne peut pas s'élever. Il n'y a pas de grande joie sans grand malheur. Donc, il y a cette dichotomie dans la vie et c'est cette dichotomie qui fait qu'on se sent vivant. Quand j'ai vu un jeune là, qui est parti, un jeune qui a son diplôme d'ingénieur, donc il n'est pas con. Et en plus, il est ingénieur, mais il a une forme de spiritualité. Et il dit, bah oui, mais j'étais parti pour répéter le modèle. Il est parti, alors ce qu'il a fait, il s'est improvisé un vélo. Il s'est improvisé une cabane avec un poêle et a dit « je pars avec rien ». Et puis, il a fait des rencontres humaines, donc les gens sont toujours interpellés. Il a affronté le froid, il a affronté la pluie et il a dit « je me suis senti vivant ». Voilà. Et je me suis senti vivant comme jamais la vie contemporaine ne peut, en fait, on ne peut pas globalement, à part quand on sort de grandes… je dirais, d'un accident de la route, on sort d'un accident, on est miraculé, on se sent très vivant, là, forcément. Mais en fait, comme il disait lui, j'apprécie chaque grain de riz, quoi. Donc, cette glande pinéale, en effet, leur intérêt, c'est de la calcifier, qu'on soit absolument plus relié à l'âme, ou que le seul relais qu'on ait vis-à-vis de nos âmes passe par des religieux. Hein? Donc, ton âme, tu t'en occupes pas, nous on va te dire comment penser, tu vas faire des prières, et puis ça va bien se passer. Bah, c'est pas en répétant des choses que des millions répètent que ça va s'arranger. C'est en ayant la foi en des choses qui nous dépassent et qui nous dépasseront toujours. Et ça, c'est génial, parce que pour l'ego, je vais vous dire que non, ça nous dépassera toujours. Le quantique propose des solutions et des résolutions qui sont des fenêtres sur encore un tas d'autres fenêtres. Il n'y a pas 2 et 2 font 4 dans le quantique. Il y a Carole qui nous dit que c'est toujours aussi enrichissant. On me dit aussi qu'on peut trouver sur YouTube ou sur d'autres plateformes des vidéos avec des cohérences cardiaques. Oui, pour la musique, avec la musique, c'est cardio-sonose. Et cardio-sonose. À ce titre-là, j'ai expérimenté une capsule. Alors, ce n'est pas un medbed, hein. On va se calmer. C'est pas une capsule
qui bah, c'était dans le sud-est là, la semaine dernière, qui, alors, pour le coup, optimise tout ça. Pourquoi? Parce que dans cette capsule, bon, déjà, on est dans une forme d'œuf, donc on est protégé. Il y a aussi une position qui est très étudiée, et vous avez un stimuli donc d'ondes, de musique, donc vous choisissez selon ce que vous voulez traiter. Vous avez un massage et vous avez de l'oxygène, ce qui fait que chaque chose qui va, c'est tous ces stimuli, finalement, on faut en faire qu'un, qui fait qu'on peut se focaliser sur aucun. Okay? Et on part dans un espèce de d'état second, moi qui ai énormément de mal à le faire, et pour le coup, tout est optimisé. Donc, ouais, c'est une capsule qui est dans le sud-est, vers Avignon. Voilà, si les gens sont intéressés, vous me posez la question, je vous dirai où aller. Et j'ai trouvé ça formidable pour justement, pour les plus réticents, couper. Paf, ça vous amène ailleurs. Et là, la pinéale, waouh, elle. Je devais être avec toi ce week-end justement pour essayer cette capsule, mais j'y serai, j'espère bientôt. Mais ça t'a fait du bien? Oui, je te dis, je suis parti ailleurs, quoi, alors que j'ai du mal avec ça. Ouais, bah toi, tu as du La mal nuit, à décrocher quand ouais. même. La nuit j'y arrive, mais en journée, non. Et donc, voilà, c'est. Alors, oui, c'est pas. On n'est pas dans un miracle, mais on est dans quelque chose qui va permettre à tout ce qui. Tout ce qui, tout, cette, tout ce que cette capsule génère comme stimuli, d'être vachement optimisé. Et voilà, donc c'est très intéressant. Spéciale, on aura la personne qui gère cette Ouais, capsule voilà. mon émission spéciale pour présenter la capsule, à quoi ça sert, comment ça fonctionne et où aller faire ces soins-là. Il est médecin, cette personne est médecin. Hein, C'est un donc médecin, c'est un voilà, cardiologue, déjà. Donc, donc c'est un spécialiste, c'est un ancien cardiologue, pas un jeune non, qui. et toujours, toujours. Ah oh, oui. Il est toujours, oui, mais c'est un vieux de la vieille, comme on dit chez nous. Un mec extraordinaire avec une femme extraordinaire. Elle t'a bien fait à manger? Ah bah j'ai pris 3 kilos. Voilà. Non mais c'est drôle parce que moi j'allais chez eux. Vous voyez, ça c'est la synchronicité. Parce que il m'a dit bon viens voir là. Et moi je dis mais c'est bizarre parce que je dois faire une émission sur comment la médecine quantique. Et c'était pas du tout. Tu vois, ça coïncide. Et c'était voilà, c'est comme ça. Parce que en fait je fais des émissions quand je le sens moi. Je suis pas, je viens pas tout le temps. Tout s'aligne, hein. Voilà, tout L'univers est s'aligne. parfait. Je vous dis, pensez à votre salon de thé, pensez à votre crêperie, pensez à votre guérison, pensez au monde de demain. C'est ça. Et voilà, on est là-dedans, nous, Antoine, depuis longtemps. Et ça nous réussit pas mal. Ça nous permet surtout d'affronter, surtout lui, Antoine, il en prend plus que moi, le pauvre. Oh. Beaucoup de choses, C'est avec, ça. on s'en fout. Alors, il n'y a On pas s'en beaucoup de questions, il y a beaucoup fout. d'affirmations sur ce que tu as dit, et c'est bien. On dit que l'état profond calcifie forcément via le fluor. Pas mal la glande pinéale. Mais tu vois, ce test-là de respiration, je ne savais pas que ça décalcifiait. C'est Ah oui, intéressant. ça décalcifie, c'est la cohérence cardiaque qui va réparer ce qu'on appelle l'entropie, les désordres de rythme cardiaque. Et en fait, puisque le cœur émet des ondes en permanence électromagnétique, si tu veux, autant que la voix soit pure. Hein, que ce soit la calasse qui te parle. Ah, si tu veux que la calasse elle te parle, eh bien tu vas aller, vu que c'est un minéral là-haut, hein, si tu veux casser le verre qu'il y a là-haut, le cristal, peu importe, laisse parler la calasse. Donc ton cœur est une puissance phénoménale et il est le siège de ton âme. Donc laisse parler ton cœur et rends-le cohérent. Ok. Je te remercie, mon Totof. C'était encore une belle expérience quantique que tu nous as fait vivre et tu nous as expliqué des choses extraordinaires. Tu me diras quand tu veux faire une suite sur le Oui, on quantique. va voir. On va voir les Cool, questions. Après, tu hein. sais, ça dépend de Ta carte est l'intérêt. libre, hein. Tu fais ce que tu veux, ta Ouais, carte oui. blanche, tu parles de ce que tu veux. Voilà. Antoine me laisse faire ce que je veux. C'est Voilà, beau. tu fais ce que tu veux. Bah oui. Et puis je vais te donner le mot de la fin, mon frérot. Eh bien, vous savez, il y a, on a tous une possibilité merveilleuse à notre portée, c'est de rêver. On peut rêver tout le temps.
Bon, naturellement, quand on remplit sa truc d'impôt et tout, c'est moins drôle, mais dès que vous pouvez rêver. Donc, je vous dis, si vous voulez donner une réponse rationnelle à ce qui se passe actuellement, vous êtes mort. C'est foutu. Ils sont hors du rationnel et c'est fait exprès, hein. Et c'est pour bousiller les cerveaux rationnels, pour qu'ils soient complètement confus et qu'à la fin, ils s'en remettent à une autorité, hein. C'est ça le truc. Donc, nous ne sommes pas des rationnels. Nous utilisons le rationnel, voilà, mais nous sommes aussi des rêveurs. Alors, le rêve, vous savez, c'est comme y a un accent circonflexe, hein, sur le mot, donc c'est un chapeau. Ça vous préserve du rationnel. Donc, rêver, comment dire, parler du. J'utilise dans le futur hymne de l'Alliance, parler du bout des rêves pour que le mal en crève. Voilà, parler du bout des rêves pour que le mal en crève. Magnifique. Parler du bout des rêves pour que le mal en crève. Parfait. C'est dans le futur Merci hymne de beaucoup. l'Alliance. Ah bah ouais, parfait. Oui, il est en train d'écrire l'hymne de l'Alliance. D'ailleurs, on va terminer avec ta dernière chanson. Portée disparue, t'as vu ça dit, hein, c'est déjà en bas, collectif Alliance humaine, portée disparue, chantée par Fanfan, écrit par Totof, arrangée par. Je me souviens plus, c'est Sébastien et Francis, Lalanne Oui, et c'est ça. Sébastien. Non, Seb. non, je sais pas, Ah, putain. Seb, je sais plus C'est comment il s'appelle. terrible. C'est terrible, ouais, c'est Francis. Bon, bref, on est en Il mode est marqué global. à la fin du Voilà. générique. Marqué à la fin du générique. Voilà. Ben, on va terminer avec cette belle chanson. Toto, je te donne rendez-vous dans quelques instants sur le débrief. J'ai mis le lien sur Oui, GK, comme d'habitude. ok. Tous des gros bisous. Mon Toto, on fait des gros bisous à tout le monde. Reposez-vous, profitez de ce que nous vivons en ce moment parce que c'est juste magique. Si vous n'en rendez pas compte, croyez-moi, vous vous en souviendrez bientôt de ce que vous êtes en train de vivre. Donc réjouissez-vous de ce qui arrive. Et surtout, 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 Totof. Soyez heureux. Soyez heureux, la famille, on vous aime. Allez, ciao, ciao.